Bonjour à toutes et à tous, amis Sega de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super les copains, petite vidéo du lundi matin. On va tout simplement essayer de débloquer le nouveau pouvoir star de mon petit Otis et voir un petit peu ce que ça donne. Alors il y a pas mal de boîtes gratos en point star dans le shop et en plus, franchement les gars, j'ouvre la boutique en direct avec vous parce que j'avais joué un petit peu avant, il y a eu le shop qui s'est renouvelé à 10h. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que je vais l'avoir dans le shop réellement ou est-ce que je vais devoir le paquer, ce qui n'était pas grave vu qu'on avait des méga boîtes et des grosses boîtes en point star qu'on va d'ailleurs acheter. Et au final, il me le donne. Alors, est-ce que vous voulez être joueur, les gars? Est-ce que vous voulez qu'on le débloque sans payer les 2000 de gold? Moi, je pense qu'on peut le tenter. On peut le tenter. En tout cas, les copains, n'hésitez pas. Il y a un peu moins de vidéos cet été sur Brawl Stars. Hein, une tous les 2-3 jours. En général, je réduis un petit peu le rythme l'été. Mais n'hésitez pas à exploser le code créateur GAN dans la boutique. Et en tout cas, voilà, concept intéressant aujourd'hui parce qu'on va se tester le pouvoir star. Est-ce qu'il est vraiment super fort ou est-ce qu'il est moyen? On verra bien, on pourra en juger à la fin une fois qu'on l'aura testé. Et les pouces bleus, les copains, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. Et nous, on est parti directement sur la phase mini opening, on va l'appeler comme ça. Alors, est-ce qu'on peut le choper gratos, les gars? Au moins, comme ça, on économise notre gold. Ouais, parce que alors, les points stars, par contre, pour le coup, on en a vraiment beaucoup. Je pense que là, c'est pas bon. Je pense que là, c'est pas bon. Je pense que là, c'est pas bon. Alors après, j'ai plein de boîtes, les gars. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais que vous allez me dire, non mais tonton, t'as 42 000 gold, achète-le, qu'est-ce que tu nous rends fou, là? Mais j'ai tellement de boîtes aussi, les gars, que est-ce que c'est pas le moment? On en ouvre 11. 11 grosses boîtes pour le débloquer. Et si on l'a pas eu, on l'achète. De toute façon, c'est ces boîtes, faut bien les ouvrir à un moment donné, ça fera des ressources, ça fera des équipements, ça fera des de la ferraille, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'on stocke plein de boîtes, mais il n'y a pas tant de brawlers que ça qui sortent, et du coup, faut bien qu'on les ouvre de temps en temps. En général, je le fais en off, je pète un câble, j'ouvre 50 boîtes que j'ai de côté, comme ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de me le filer, hein, les frères. 118 gold, 25 ferraille, ouais, mon petit, allez, file-moi quand même le truc, là, me prends pas pour un pigeon, allez, encore 5. Encore 5, encore 5, encore 4, c'est fou, hein. Ok, vitesse x2, on prend. Ouais, et la dernière, on l'aura pas, ma foi, écoutez, je sais pas comment c'est calculé leur truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si un jour il y a des trucs intéressants à acheter, c'est-à-dire pas vraiment les skins disponibles en ce moment sur le magasin du club, on fera carnage 10 671 pièces de club, les gars, on est vraiment blindés. Mais malheureusement, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça ne nous servira à rien. Donc on va directement aller l'acheter, le pouvoir star. Recharge d'encre, voilà, on a dépensé du gold. C'est un peu dommage, j'aime bien garder le gold. J'ai dans l'idée que ça puisse servir à quelque chose prochainement. Et pas forcément pour acheter des skins, ça on s'en fout un petit peu. Mais pour autre chose, alors attends, recharge d'encre, le Star Power, on va l'activer quand même, ce serait dommage de faire une vidéo dessus et de ne pas l'utiliser. Donc le premier, c'était, vous le connaissez, hein. On va tester celui-là, voir un petit peu si on voit une différence ou pas. Je suis vraiment pas fan de ce brawler, les gars, on va pas se mentir. Alors les copains, on part en duo avec Saphir, je vous ai cut une game où ça chimait, laissez tomber, je préfère même pas vous en parler. On va essayer de voir un petit peu autre chose. Parce que si sinon ça va être compliqué, si je suis seul contre 9 mecs, on va rien pouvoir. On va pas vraiment pouvoir capter la puissance de ce pouvoir star. Mon petit Saphir, il va nous régaler en plus, je suis sûr. On va essayer de voir un petit peu en bas. Normalement, Matt and Team. Hein. Je sais pas ce qu'ils font là, voilà. Je me doutais qu'il y avait quelqu'un. C'est un peu. Ouh là là, tonton Gaël qui joue un petit peu avec le feu. Attends, on va essayer de régénérer un petit peu. Le griffe, à mon avis, au mid, il est pas super bien. Ok, on va aller piquer les caisses, on est comme ça là. On est comme ça, lui ça meurt, ok. On est pas mal en termes de caisse là les gars. Je pense que le griffounet peut mourir là à mon avis, si d'accord. Ok, lui je l'ai bloqué les tirs, donc on va récupérer ses caisses. La poli, elle attendait ce que son maîtrise. Ouh là 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 les gars, qu'est-ce que ça faisait là? Tac, on est plutôt pas mal, on se caisse, je crois que mon frérot il est en train de leur courir après. Et on est à 13 popos, on a défoncé le jeu sur cette game. Ah ouais les gars, le duo, joue en duo, hein. Le solo, laissez tomber. Hein. Laissez tomber le solo, les frérots, vraiment. Vraiment, vraiment, c'est malheureux, hein. J'adore le solo, hein, mais c'est bon les gars, c'est bon. Je vais prendre ma retraite de solo. Tant que les mecs tourneront et que vous serez à 8 contre 1, ce sera terminé pour moi, ce mode-là. En tout cas, le duo, voilà, ça fait plaisir déjà. On est deux à jouer, on est deux à prendre des caisses. Donc, on en a quand même pas mal, les copains. Ça fait excessivement plaisir. Est-ce que ce Star Power, il est fort ou pas? La réponse dans quelques secondes, les copains. À mon avis, ça va quand même pas être incroyable. Hein. J'ai quand même des doutes quand je lis la description.
Je vous cache pas que j'ai cliqué 2 secondes, vous verrez pas dans la vidéo, mais j'ai voulu l'essayer contre les bots là, sur le mode essayer, et je suis pas plus convaincu que ça, mais c'est pas grave, on verra bien. Je pense que c'est ce brawler en fait qui me séduit moyen, hein. Je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, les caisses sont au rendez-vous. Je peux peut-être en prendre une autre. Est-ce que la Pam va être d'accord? Ok. Le Mortis au mid, il veut voler toutes les caisses. À mon avis, c'est le meilleur moyen de charger nos ultis sur lui. Alors, attends, je vais aller piquer ça. Brocky, il est énervé sur mon frérot. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se le... Attends, j'ai un lion à droite, 7 caisses, les gars. Je le regarde sérieusement, parce que... Ok, ça meurt. Je suis un petit peu low. Tac, on va essayer de régénérer. On va la jouer intelligente. Faut qu'on fasse des top 1, les gars. On est là pour tester le star power, mais à mon avis, si on peut enchaîner les top 1, c'est quand même stylé. Attention, Mortis, les gars. Mortis, triple dash sous popo. Ça pourrait faire mal. Il y a une Pam par là. Si mon frérot vient m'aider... Attends, la Pam, elle part à droite. Elle a peur qu'il y ait du monde. Vous avez vu un petit peu l'hésitation qu'elle a eue? Elle a hésité. Elle s'est dit, là, ils vont me sauver... Attends, faut que je fasse gaffe. Mortis, attention, mais je peux bloquer ses coups, hein. Moi, je peux bloquer ses coups. Les copains, ça meurt. Ok, ah, vous avez vu quand même, c'était... On a réussi à la péter. Attends, je peux bloquer les coups, là, d'un mec, s'il vient corps à corps, style Léon 10 caisses, là, il va se dire que c'est gagné, attends, je vais le laisser avancer. Corps à corps, c'est impressionnant, le mec vient corps à corps, il s'attend à te dépop, et au final... C'est quand même vraiment fort de pouvoir... Attends. Elle vient corps à corps, frérot. Depuis quand ça joue bien, là, comme ça? Il a un ulti, et là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va sûrement le mettre. Faut pas que Saphir se fasse tuer, par contre. Je pense que Léon, là... Ça, c'est un gadget. Je suis prêt à cliquer dessus, les frères. Je l'ai bloqué. Vous avez vu, les gars, j'ai attendu qu'il vienne corps à corps, et j'ai bloqué ses coups, et du coup, c'est trop fort, en fait. Ah, oh, vas-y, je loupe tous les coups, les frérots. Je suis à 2 doigts de le sauver. Je l'ai tué. Je carry. On lui a bloqué les coups. Pouah, je suis machine. Je l'ai manœuvré, les gars. Ah, je me suis promené, c'était mon jouet. C'était mon jouet, Léon, 10 caisses, sous popo, il est du corps à corps. J'y ai bloqué les coups, les gars. Franchement, pas mal. Franchement... Moi, je vous dis, les gars, c'est pas mal. Le duo, faut quand même qu'on reprenne des grosses sessions. Petit Saphir qui a des petits bugs de connexion, il m'a dit. Bon, franchement, ça s'est pas trop vu. On va pas lui en tenir rigueur, vu que j'avais pas vu qu'il buguait, le frérot. En tout cas, spawn duo, j'aime pas. En général, les spawn duo, c'est éclaté, vous le savez très bien. On va tout simplement récupérer les deux caisses qu'on a et essayer de taquiner le mid. Alors, le mid, si on peut charger les ultis, les frérots. Oula, Saphir, il est déjà en fight contre je sais pas qui. Ok, on gratte. On prend une caisse par là. Il y a une petite Janet au mid, là, est-ce qu'on n'irait pas la soulever? Ok, je suis pas très très loin de l'ulti, les frérots, on va récupérer ça. Attention. Attention les frères, j'ai lâché mon ulti, j'ai tout lâché là. C'était le stress, moment de stress, on a même le logo wifi qui s'en mêle. On va régène, et je pense qu'on va fight la team de gauche. Un Dynamite, ça demande qu'à se faire fight ça. Alors, je rappelle que mon frérot sur sa Eve, il peut passer par-dessus les rivières. Ce que je ne peux pas faire, vous avez bien compris, voilà. Donc il a un avantage. Je pense que je vais les coincer par le haut, moi. Je pense que s'il est malin, mon frérot, il va les coincer par le bas. Et là, on peut se mettre plutôt pas mal. Alors, le Dina, il va passer par où, le Dina? Le Dina, il est seul contre mon frérot. Je peux pas trop l'aider, malheureusement, là. Est-ce qu'il va passer par le haut, vous pensez? Je pense pas qu'il puisse avec le poison. Il va pas tarder à mourir. Ah, il passe par-dessus. Putain, je quitte le poste du dessus, les gars. C'était mon rôle, et malheureusement... Malheureusement, il est passé par le haut. Il va faire respawn son frérot. Ok, mort. Ouh là. On a 10 caisses. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai l'impression qu'on est un petit peu... pris en tenaille. Ok, tonton Gaël qui fait le kill sur le Edgar. On a mon frérot qui est mort. Attends. Je pense que je peux faire un truc intéressant, là. Est-ce qu'ils sont gavés avec les caisses de mon frérot ou pas? J'ai pas vu, mais... Ok, on fait le kill là. La Janet, c'est quoi? Janet Dina encore? Non. Janet Buzz, ok. Ok, je pense que je peux les surprendre là. Tonton, oh, je carry de ouf, c'est hallucinant.
On prend un soda. On prend un soda et je pense que j'atomise. J'atomise. Je fais tous les kills. Je fais tous les kills. C'est ma vidéo, les gars. C'est la vidéo de ma vie. En tout cas, on se régale. On se promène. On est à 675 trophées. Et vous avez peut-être loupé une game ou deux où j'ai lancé un solo, les gars, au début, où je vous les mettrais pas, parce que c'était fou le timing au milieu, et même si on a gagné quelques trophées, c'est nul. C'est nul, c'est nul, les gars. Et je suis désespéré de voir que sa team de plus en plus bas, en fait. Que sa team à haut niveau, bon, bah, on connaissait déjà, quoi. Mais que sa team à 675, là, mon Dieu, c'est catastrophique. Je suis trop dés... J'ai envie de m'excuser pour eux, quoi. Quand je vois ça, je me dis, non, mais c'est pas possible, les gars. On peut pas donner une pub du jeu. Moi qui parle de ce jeu à tout le monde, le mec qui lance, là, qui se dit, je vais tester le jeu, et qui voit que sa team, dans tous les sens, il doit être dégoûté, quoi. Parce que même si vous êtes le... Même si vous appelez Quack, là, c'est pas possible d'aller péter 10 joueurs, quoi. Les gars, on a 4 caisses. C'est pas mal. Pour un start, par contre, on a le spawn du haut qui est éclaté. Pourquoi il vient vers moi, Saphir? J'aurais kiffé qu'on se partage la zone du haut, dans le sens où on peut récupérer comme ça les sodas. Alors, Saphir, il a changé de zone. Ok, on va... Oh, tu sais quoi, on va le suivre. On va lui donner sa chance, on va le suivre. Il est un peu low vita, là. Il se fight contre quoi? Nani... Oula, oula, là, là, là. Oula, là, là, là. Attends, il y a un... On va tamponner un petit peu, on a encore 5. Je pense que, eux, là, c'est complicado. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez qu'on peut les pousser vers le bas, là? Ok, ça meurt. Ok, ça meurt. On a 7 caisses. Il y a un biron, comme l'appelle ma fille. Biron, il est là. Saphir, si tu pouvais arrêter de te faire toucher, mon frérot, t'as un amour. Est-ce que vous voulez qu'on le fight là, comme ça? Enfin, je dis ça, je me fais toucher moi aussi. Ok, on la fight. Enfin, on la fight. On l'a tué. On est du coup. Oh, les gars, je prends les kills. On prend les kills. On a 10. On va. Attention, attention qu'il n'y ait pas un piège en bas à gauche là. Vous connaissez les pièges, les gars. Vous les connaissez, ces pièges-là. On les a tellement fait avec Brock, là, rester à côté d'un buisson. Technique la plus moche de Brawl Stars, mais qui fonctionne terriblement bien. Ok, on s'est pris un peu tous les coups, là. Oh, non, c'est à toi de carry, Saphir. Bien joué. 13 pots, 15 pots, 17 pots. Bon, je pense qu'il a gagné, normalement, le frérot. Merci à lui, voilà. C'est ça. Ça, c'est un travail d'équipe, les gars. Ça, c'est un travail d'équipe. Il y en a un qui part un peu en vrille. Comme c'est mon cas sur cette game-là, Saphir, il est là comme un grand frère, les gars, pour gérer la game. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Le deuxième pouvoir star, Otis, lance 33% d'encre en plus. Est-ce que vous avez réellement vu une différence? Très honnêtement, j'ai rien vu. J'ai rien vu de plus. Et ce que je peux vous montrer en version super speed, c'est du coup, contre les bots, on a quand même un peu plus l'occasion de se rendre compte. Mais ça me paraît quand même pas dingue. Hein. Ça me paraît quand même pas dingo. Regardez-moi ça, tac, et là maintenant on va tirer du coup le super sur lui, et il a un petit peu d'encre. Voilà, c'est... Ouais, bof, 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 hein. Les gars, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est bof, bof. En tout cas, les copains, je vous fais des gros bisous à tous, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo du jour, on aura pris quelques trophées quand même, et ça, quelque part, ça fait plaisir. À très bientôt, et n'oubliez pas, les gars, de m'exploser les pouces bleus, et surtout, le code Gaël dans la boutique. Ciao, ciao!